On a affaire à des gens qui ignorent complètement Barrès et qui ignorent son œuvre et qui ont des idées, des étiquettes en tête, et voilà, donc qui protestent sans connaître les choses. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Bon, bah, très bien. En tout cas, merci pour votre présence. Et puis, l'association Vosges Royale, toute royale qu'elle est, m'invite donc à parler du républicain Barrès. Je vais essayer de le faire. Donc nous sommes donc réunis ici au pays des belles images, cher à Maurice Barrès dans sa jeunesse. Et cette année 2023 est celle du centenaire de la mort d'un maître à penser de plusieurs générations de Français. Son influence fut immense à son époque et dans les années suivantes. Alors c'est le centenaire de sa mort, mais il n'y a rien d'organisé à l'échelon national. Même autour de nous, il y a très peu de choses. Là, vous venez d'indiquer le 2 décembre prochain, mais pour un centenaire d'un homme de cette envergure, il est étonnant qu'il n'y ait rien d'organisé. Par exemple, à Nancy, les gens de la bibliothèque municipale avaient pensé à une exposition parce qu'ils ont l'œuvre complète de Maurice Barrès et surtout magnifiquement reliée par les reliures de l'école de Nancy, il y a des reliures de Prouvé, etc. Et puis il y a des documents inédits, etc. Et puis il y a des choses inédites qui se promènent partout, mais bon, c'est sous le boisseau, on n'en parle pas. Le maire de Nancy refuse d'ailleurs toutes les manifestations concernant Barrès. Bon, d'autres manifestations sont refusées ailleurs. Pourtant, Barrès, quand même, il a connu un enterrement national, présidé par le président de la République de l'époque, Alexandre Migrant. Et puis, bon, voilà, aujourd'hui, il est tombé petit à petit dans l'oubli. Voilà, donc Barrès a quitté ce monde il y a tout juste 100 ans. Il est quand même très étonnant que le souvenir de ce grand Français ne soit pas rappelé à l'échelon national. Voilà. Barrès a pourtant été un des écrivains les plus importants et le plus lu de son époque. C'était au temps d'une France française, celle de l'attachement aux racines, à la famille, à l'armée, à la terre natale. Barrès, âme sensible et complexe, a été une des personnalités les plus appréciées en son temps, et une partie de son œuvre restera immortelle. C'est le cas de la colline inspirée. Donc voyons ici les grandes lignes de sa vie et de son œuvre. Maurice Barrès, une vie bien remplie et une carrière féconde. Son œuvre compose de 18 romans. Ses écrits politiques regroupent 35 titres et ses cahiers forment 11 volumes. C'est dire que Barrès a usé beaucoup d'encre. Pour nos contestataires, Maurice Barrès, c'est le nationalisme exacerbé. C'est un antisémite redoutable, c'est les étiquettes qu'on donne, hein. Le chef de file des anti-Dreyfusards, c'est le défenseur cocardier de l'identité française, refusant absolument l'implantation sur notre sol de ceux qu'il nommait les cosmopolites et les rastaquaires. Président de la Ligue des Patriotes, le patriotisme de Barrès lui valut d'être la cible du journal satirique Le Canard Enchaîné. Bref, Barrès, l'homme à abattre, était également proche des idées de Charles Maurras. Il n'était pourtant pas sectaire. Il avait même, par exemple, une certaine admiration pour Jean Jaurès. D'ailleurs, il a été le premier, quand Jaurès est assassiné, d'être auprès de lui, de s'occuper de l'enterrement. Bref, Barrès était surtout l'acide de ceux qui ne l'avaient jamais lu. Je signale aux ignorants qui collent une étiquette d'extrême droite à Barrès qu'il siégeait bel et bien à gauche, proche des socialistes, à l'Assemblée nationale. Député de Nancy à l'âge de 27 ans, Barrès fut élu avec succès. Il siégea donc à gauche et prit très au sérieux ses fonctions et les remplit ponctuellement. Sa carrière politique a rempli 35 années de sa vie. L'œuvre de Maurice Barrès est immense. Cet écrivain prolifique est encore à lire et à relire de nos jours. Nous célébrons donc cette année le centenaire de sa mort. Il est né à Charmes et il est enterré au cimetière de cette ville dans les Vosges. Où vous pouvez bien sûr aller vous recueillir et méditer.
cet écrivain fameux, célèbre en son temps, est mort à 61 ans, après une vie bien remplie, auteur d'une production littéraire et politique abondante. A-t-il mené à bien tous ses projets ? Un homme actif n'a pas assez d'une vie pour mener à bien toutes ses idées et ses projets. C'est donc aux générations suivantes de reprendre le flambeau. Qui reprendra le flambeau ? À 20 ans, Barrès arrive à Paris. Il veut être écrivain, et il va l'être. Il apprend alors le métier en collaborant à différents journaux, à différentes revues. En 1887, paraît sous l'œil des barbares, premier volume du culte du moi. C'est le début de la célébrité. Barrès n'a pas fait que se défendre à la plume dans ses écrits. Il s'est également battu en duel en novembre 1889 contre un avocat de Nancy. Nouveau duel à l'épée contre Goulette, le directeur de l'Est républicain, dont il sort légèrement blessé. Il se bat encore en duel en 1894, l'année où il publie son ouvrage « Du sang, de la volupté et de la mort ». Le 11 juillet 1891, entre deux duels, Maurice Barrès épouse Paul Couche, catholique fervente à Paris en l'église de Saint-Séverin. On s'est beaucoup interrogé sur la foi chrétienne de Barrès. Il déclarait volontiers « La morale, c'est la morale chrétienne ». Sa pratique religieuse n'était certes pas ostentatoire. En 1906, la loi de séparation de l'église, des églises et de l'État était acceptée. Sa mise en vigueur devait provoquer des remous. Le 21 décembre 1906, Barrès affirmait et précisait sa position. « C'est la guerre au catholicisme que l'on veut faire. Je me range parmi les défenseurs du catholicisme. » Ses interventions furent nombreuses à la Chambre des députés. Il déclarait alors « La religion catholique demeure un facteur primordial de cohésion pour la société française. » est un élément constitutif de l'essentiel de l'individu. Il s'agit d'un héritage à préserver. Rappelons que Barrès a été le grand défenseur de nos églises et qu'il a publié « La grande pitié des églises de France » en 1913. Donc, au départ de sa vie, le tout jeune Maurice rentre comme pensionnaire au lycée de la Malgrange, proche de Nancy. Il y passe 4 années et se lie d'amitié avec Stanislas Guaita de Tarquimpol. À Nancy, au numéro 38 de la rue de la Ravinelle, une plaque commémorative rappelle que le jeune Barrès fréquentait la faculté de droit de Nancy avant de partir pour Paris en 1883. Voilà les souvenirs de Barrès à Nancy. Il y a une rue qui porte son nom, mais il n'y a rien d'autre. Barrès nous confie dans un chapitre de l'Homme libre en 1888 « J'avais 26 ans, je n'ai pas d'idée claire de cet éveil, mais je n'ai pas cessé de le cultiver, d'inventer et de créer en moi cette Lorraine intérieure. C'est la Lorraine qui m'a donné les idées par lesquelles, à mon insu d'abord, puis consciemment, j'ai été gouverné. » À la fin de leur figure, Barrès fait dire à Sturel, qui est celui de ses personnages littéraires dans lequel il a mis le plus de lui-même, « Ma tâche est nette, c'est de me faire de plus en plus lorrain, d'être la Lorraine pour qu'elle traverse intacte cette période où la France, décérébrée et dissociée, semble faire de la paralysie générale. » Voilà, bon, Barrès a l'étiquette de nationaliste français, mais il revendiquait son identité lorraine, qui passe sous silence. C'est pourquoi j'ai tenu à faire un ouvrage spécialement sur le Lorrain Barrès. À la fin de leur figure, Barrès fait dire à Sturel, qui est celui de ses personnages littéraires dans lesquels il a plus de lui-même, ma tâche est nette, c'est de me faire de plus en plus lorrain. Quelques semaines plus tard, c'est vers la Lorraine que Maurice Barrès se dirige. Il entreprend alors son voyage à bicyclette, tout au long de la Moselle, depuis la source au col de Bussan, et il tirera de cette randonnée la vallée de la Moselle, qu'il considérait comme la partie la plus intéressante de son œuvre, selon son propre jugement.
qui lui avait demandé des efforts, bien sûr. Ayant pris pleine conscience de son origine provinciale, il est devenu décentralisateur. Son provincialisme est un nationalisme fondé sur la tradition. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais Maurice Barrès a été vraiment le maître à penser de toute une génération. Il avait 26 ans lorsque paraît le premier tome de sa trilogie fameuse, Le culte du moi. C'est de ce temps qu'il fut nommé prince de la jeunesse. Il se lança dans la politique et devint député boulangiste. Il fut député de Nancy en 1889. Dans son œuvre, le premier axe de Barrès était de nous orienter à défendre notre moi, c'est-à-dire notre premier devoir est de défendre, de maintenir et de valoriser notre civilisation contre les barbares, ceux qu'il nommait les cosmopolites et les rastaquaires. J'ajoute qu'aujourd'hui, plus qu'à son époque sans doute, le combat est à continuer dans cette France envahie par les migrants et les rastaquaires de toutes sortes et de tout pays. Les publications concernant ce qu'il a nommé le culte du moi devaient paraître à la suite pour confirmer l'enracinement de ses doctrines. Les Déracinés, 1897, que l'on peut lire encore aujourd'hui avec intérêt afin d'en tirer des conclusions pour notre époque de déplacement continuel. C'est l'ouvrage qui a connu le plus grand succès dans les premières années du XXe siècle. Il nous raconte qu'un groupe de lycéens lorrains est fortement incité par leurs professeurs à poursuivre leurs études à Paris. À cette époque, on voyait que par la capitale de la France. C'est à cette époque le début des incitations sociales à déplacer les gens. Le phénomène a ensuite pris de l'ampleur. Je me souviens que dans les années 1968, l'opposition était affichée sur nos murs avec le slogan réclamant « Vivre et travailler au pays ». Dans l'ouvrage « La terre et les morts » 1899, Maurice Barrès insiste sur la nécessité de restituer à la France une unité morale et de créer une conscience nationale. La terre nous donne une discipline et nous sommes le prolongement de nos ancêtres. Voilà sur quelle réalité nous devons nous fonder. Il ne faut pas étouffer la voix du sang et l'instinct du terroir. L'appel aux soldats, 1900, et leur figure, 1902, nous font découvrir Barrès républicain et traditionnaliste, c'est-à-dire à l'attachement à nos racines, à la famille, à l'armée, à la terre natale. Dans son ouvrage « La terre et les morts », 1899, Barrès insiste sur la nécessité de restituer à la France une unité morale et de créer une conscience nationale. La terre nous donne une discipline et nous sommes le prolongement de nos ancêtres. Voilà sur quelle réalité nous devons nous fonder. On n'en finirait pas de commenter les œuvres de Barrès, qui est aussi le grand et fameux écrivain de la revanche contre l'Allemagne victorieuse de 1871 et du drame de l'annexion. À ce sujet, son roman Colette Baudoche, 1909, Histoire d'une jeune fille de Metz, devait obtenir un immense succès. Barrès est proche de son cadet, Charles Maurras, qu'il admirait et avec lequel il échangeait volontiers des idées. Mais Maurras était foncièrement monarchiste, tandis que Barrès, réticent sur certains thèmes maurrassiens, considérait l'histoire de France comme un tout, incluant les périodes de rayonnement et les temps douloureux ou difficiles de l'identité française. Il ajoutait « La nationalité française est faite des nationalités provinciales. Si l'une de celles-ci fait défaut, le caractère français perd de l'un de ses éléments. » Jusqu'à sa mort, Barrès a soutenu avec sympathie le journal de Maurras, l'Action française. Mon ouvrage récent, Le Lorrain Barrès, présente essentiellement les textes de l'écrivain concernant la Lorraine. Ses écrits n'ont jamais été publiés. On trouve ses textes et considérations sur la Lorraine et son identité dans ses cahiers, présentés par son fils Philippe après la mort de l'auteur.
Dans ses écrits, Maurice Barrès évoque souvent Jeanne d'Arc et son pays natal. D'ailleurs, il est bel et bien à l'origine de la fête nationale votée en 1920. Il y a deux fêtes nationales en France, le 14 juillet, qu'on ne fête pas spécialement, et la fête nationale de Jeanne d'Arc. Barrès évoque également quelques figures lorraines, comme le général Hugo, né à Nancy, père de Victor, le poète Verlaine, né à Metz, à qui il versait une pension mensuelle pour le soutenir. Claude Gelée, dit le Lorrain, un des plus grands peintres du XVIIe siècle, né à Chamagne, où l'on peut encore voir sa maison. Dans ses cahiers barésiens, on trouve de nombreuses pages et notes diverses sur Jeanne, car Barrès a parcouru en tous sens le pays de Jeanne, de Dorémy à Bermond, la vallée de la Meuse, Vaucouleurs. Je soupçonne fortement le fait que le romancier cherchait en ces lieux quelque chose de significatif et de fort pour écrire, pour servir de base à un roman. Il a beaucoup médité sur le terrain. Il était certainement en quête d'éléments concernant Jeanne de chez nous en vue d'écrire un ouvrage. J'en suis certain. Il disait d'ailleurs qu'il aurait aimé écrire une histoire de Jeanne en son pays natal. Il déclare clairement dans ses cahiers « J'aimerais écrire une histoire de Jeanne d'Arc du point de vue lorrain. Les historiens se croient trop vite quittes envers la Lorraine. On vient prendre chez nous un paysage, mais on ne parle pas de son pèlerinage à Saint-Nicolas. Ils aiment mieux nous parler du pèlerinage au Puy. Quelle fut la pensée mystique de Jeanne à Saint-Nicolas ? Les Lorrains ont négligé d'aller avec elle au bord... Les historiens ont négligé d'aller avec elle au bord de la Meurthe, dans la basilique de Saint-Nicolas, puis au palais ducal de Nancy, où elle a rencontré le duc Charles II. Barrès a fait la même recherche que celle effectuée au pays de Jeanne, de chez nous. Il a arpenté en tous sens la colline de Sion-Vaudémont, et, découvrant l'histoire des frères Bayard, il a pu en faire le récit qui nous vaut la colline inspirée. Parmi les nombreux ouvrages que Barrès a publiés, très peu concernent la Lorraine. En dehors de la colline inspirée, il faut noter le 2 novembre en Lorraine, page superbe évoquant la terre et les morts, et la vallée de la Moselle qui contient de belles pages descriptives partant de la source au col de Bussan pour suivre la rivière tout au long de son parcours. Outre les descriptions des lieux, Barrès ajoute une foule de commentaires sur les différents endroits, les villes et les villages traversés. Il note même le nombre de kilomètres entre chaque étape. Cet excellent itinéraire pourrait très bien se faire aujourd'hui avec la lecture des pages barésiennes au moment des pauses le long des routes. Voilà une idée intéressante à réaliser. Pour conclure, rappelons que Maurice Barrès a eu un fils unique, Philippe, né en 1896. De ce fils journaliste naîtra un fils unique, Claude Barrès, engagé volontaire à 17 ans en 1942 et mort au combat en Algérie en 1962. Oui, combattant. Est-ce que tu crois qu'il y a peut-être une petite erreur ? Oui. Dans votre livre, c'est pas la même date. Ah. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne peux pas oublier la date de décès de Claude Barrès. Oui. Il est mort exactement le jour où je suis né. Ah bon, très bien. Le 26 mai 59. On va savoir quand. Et vous le confirmez dans votre livre. Oui. Donc Claude Barrès, engagé volontaire à 17 ans, il a combattu en Corée, il a combattu en Indochine et il est mort vaillamment donc en Algérie en 1962. Vous comptez, c'est la date alors ? Même dans votre livre, mais 1059. Bon, je vais me relire. La maison de Barrès à Charmes avait été construite par le grand-père Barrès. Elle est restée à Madame Paul Bazin, secrétaire de Philippe. En 1978, le fonds de Maurice Barrès est donné par Madame Bazin à la Bibliothèque nationale de France. Cette demeure aurait mérité d'appartenir au patrimoine national. Hélas, tout a été dispersé. Le souvenir de Barrès en Lorraine est désormais sur la hauteur de Sion, au monument du souvenir, inauguré en 1928. L'ouvrage présenté ici évoque essentiellement le Lorrain Barrès. Évidemment,
Il a eu de nombreux ouvrages et de très nombreux articles à son époque pour évoquer la personnalité et l'œuvre de l'écrivain. Mais rien n'avait été publié jusqu'alors concernant son identité lorraine. J'ai cru bon de présenter Barrès à travers son origine qu'il revendiquait volontiers. Voilà mon propos.